99 Zulu Papa Y. Salut, je suis le Mad Trucking Canadian, puis j'ai fait cette séquence pour trouver un point là, que même si la police n'est pas présente et vous faites quelque chose comme une connerie, comme brûler un stop là, on peut toujours la rapporter, puis on a les moyens pour traquer les numéros de plaque. Donc tiens-toi. Puis quand on fait des conneries, on fait pas de correction, on va tout le temps faire des conneries. Justement, comme qu'est-ce que le fautif est en train de faire, il est en train de couper devant tout le monde. Il coupe devant tout le monde, Carlis. Tous les jeudis après-midi, on fait notre livraison à Ottawa chez notre client. Puis, à chaque fois qu'on sort d'Ottawa, tout le temps, à l'heure de pointe, c'est tout le temps jamé ici sur la 417 direction ouest. Sauf que, ouf, on a pogné un petit break ici. La police a arrêté le trafic pour nous autres. Je pense que ça va leur servir une leçon de suivre de trop près. Le nord de l'Ontario, le long de la Transcanadienne 17, il va y avoir des ennuis qu'il faut surveiller. Sont tout le temps là. Là, il y a un nouveau chantier de construction qui est apparu en 2014. Ça, c'est pas vraiment un nouveau chantier de construction. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur ce maudit pont-là. Le maudit pont-là, où on a des délais de 20 minutes, tout simplement parce qu'il faut attendre le véhicule pilote pour nous amener à une vitesse très basse. Là, j'ai accéléré ça à 8 fois sa vitesse, là, juste pour monter. C'est le Pick River Bridge. Là, à cause du manque de contenu, là, je vais vous présenter qu'est-ce que ça a l'air un chantier de construction en Saskatchewan. De la vraie map. Là, ça a l'air d'être une belle route, là. Juste attends qu'on se rend à une réparation de pont. Check bien ce chantier-là, comment m'excuser. Puis là, faut prendre des trains routiers, puis faut traverser avec ça. Font ça à journée longue. Il faut y aller tranquillement, là, sinon là, on risque de causer des dommages à notre véhicule. Ouais, un véritable chantier de merde. Là, j'ai 10 secondes à vous expliquer. Vache, accotement à droite. On voit jamais ça. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Contenu à Calgary, j'ai une caméra strapée sur ma tête. Là, j'étais sur la Deerfoot Trail en direction sud et je m'en vais sur la Transcanadienne, la route 1, direction ouest. Et je m'en retourne en destination vers Winnipeg, ça c'est ma femme juste là. Quasiment pas grand chose s'est passé entre Calgary, Regina puis Winnipeg. J'ai ramassé mon autre voyage en direction vers Montréal. Donc là, je roule. Il est à peu près 6h du matin. Là, je suis dans l'est du Manitoba. Ok, puis là, je suis prêt pour rouler jusqu'à 100 km à l'heure parce que c'est ça la vitesse permise au Manitoba. Puis là, j'aperçois quelque chose. Je commence à ralentir là. Là, c'est un camion là qui est en train de faire un U-turn. Là. On le voit pas sur la caméra tout de suite, là, mais si je l'agrandis juste un petit peu, là, on peut voir qu'est-ce qui est arrivé. C'est quelqu'un là qui a mal lu son GPS. Il était supposé de revirer à droite, mais a continué tout droit.
Donc là, il y avait des plaques de la Colombie-Britannique, là. Donc on sait qu'est-ce qui vient de la Colombie-Britannique. Les chauffeurs de la map. À cause de notre manque de contenu, on va terminer ça là. Les vidéos, ça devrait pas durer plus que 6 minutes.